Dans un instant, le film Les Naufragés du 747. Ici Jess Archambault. J'ai eu le plaisir de rencontrer la première joueuse de hockey sonore du nord de l'Ontario, Amanda Provan. Le hockey est super important pour moi. J'ai commencé à jouer quand j'avais 13 ans. J'étais toujours malvoyante, mais je jouais avec les joueurs voyantes parce que je ne savais pas qu'il y avait le hockey sonore. Aujourd'hui, c'est spécial parce que ben, tu as la glace à toi toute seule, mais c'est aussi la première fois que tu vas pouvoir tester ta nouvelle puck. C'est la première fois que j'utilise une rondelle de hockey sonore sur la glace à Sudbury. Oui, par mon chien guide Ivan. Il adore les arènes. Il le laisse avec ma mère et si elle n'est pas là, on a souvent des volontaires. C'est quoi pour toi la place de la femme dans le sport d'élite? Je pense que c'est très important parce que quand je grandissais, on n'avait pas beaucoup de modèles féminines. Il y avait parfois les Olympiques qu'on pouvait regarder le hockey avec les joueurs féminines, mais pendant toute l'année, c'était toujours les hommes. So, je pense que pour moi, c'est très important de voir les femmes dans cette position pour voir que c'est possible pour nous autres aussi. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez amitélé.ca ou téléchargez l'application Ami. Ami Télé, la télé qui inclut tout le monde. Cette émission s'adresse à un public de tous âges. Dans l'espace, des rayons de... Universal Movie from 1977. Le terrestre apparaît, tournant sur son axe et devient de plus en plus gros. Le logo Universal, une compagnie de MCA, se superpose sur la Terre au milieu d'un anneau bleuté. Un hélicoptère bleu et blanc survole une île. De longues plages s'étendent sur ses côtes, bordées par une forêt où se dressent quelques villas cossues. Un chenal sépare l'île du continent où, sur les côtes, une ville se dessine avec ses gratte-ciels. À bord de l'hélicoptère, un homme aux cheveux blancs... Rest in peace to Jack Lennon, who starred in this movie. He passed away back in 2001. Il approche la tête d'un air entendu. Une route en ligne droite traverse l'île de part en part en surplombant l'océan. L'hélicoptère survole un épouvantail.